demande de recevoir chaudement avec moi, Pasteur Jomar. Bien-aimés, la paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Moi, dans Exode, chapitre 32. Exode, chapitre 32, verset 1er, arrivé dans verset 6. Exodus, chapter 32, verse 1 to 6. C'est passage ça que nous avons utilisé matin pour le message d'anniversaire l'église là. Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau d'or en métal fondu. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. M'appelez pour même verset 18 dans Exode 31. Il dit: lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Gon raison qui fait que moi lis verset 18 dans Exode 31. Papa nous qui dans ciel, la béni parole au matin, pendant que l'église ou apprend dans même action de grâce spéciale pour gens ou utiliser la communauté a pour gagner des âmes pour eux-mêmes et pour faire petit Dieu grandir dans haut. Béni parole ça, fait le prendre direction que chaque monde qui l'a, dans le beau nom de Jésus nous prions. Amen. Yunnan, bien qui plus précieux que un monde capable de gagner, c'est une identité chrétienne. Et pendant toute semaine, nous t'avons parlé concernant combien il est important pour nous découvrir de très tôt l'identité chrétienne. When God created Adam and Eve, He created them according to His image, to His own image. And all that means that God was to Adam and Eve a father, a creator, and a friend. Bon Dieu était pour eux un papa, un ami et un créateur. And because of sin, à cause de péché, ils ont perdu ça. They lost it all. Bon Dieu vient pas un papa pour eux encore. Bon Dieu vient pas un ami pour eux encore. Bon Dieu vient seulement un créateur pour eux. So, chaque monde qui fait sous terre après Adam et Ève, ils ont fait avec une perte d'identité. Everyone on this earth who was born on this earth as sinners, they came to this earth without a spiritual, a divine identity. Même si on a monté des sons sous terre, il est très important pour réaliser que même si on a besoin d'une identité physique, ou besoin d'une identité spirituelle. Tout. Your physical identity shows people who you are in this world. Your spiritual identity shows the spiritual world who you are. If you do not have a spiritual identity when you die, you are an illegal. Ou pas un papier. Et tout le monde qui est illégal dans l'invisible, place yo, c'est dans l'enfer. I want you to get that. I don't know who is listening to this morning. Mais point que je voulais faire passer à travers la Bible, tout le monde qui fait sous terre, yo fait sans identité spirituelle. Et seul monde qui qualifié
pour bail à l'homme pécheur une identité spirituelle, une identité divine, c'est Jésus. Do you want to know why? Jesus is God. He came down this earth to make all that possible. Tous les grands fondateurs de religion, yo pas capable bail à l'homme pécheur une identité spirituelle. Yo pas tagé bail preuve là. They walked down this earth, they did what they had to do, and they died. And until today, you're not home. There is only one man who came, and that man is God. He came down, he died, and to prove that he is qualified to give to sinners, that sinners who believe in God, that spiritual identity, do you know what he did? He rose from the dead. Et non lycée, Jésus. Ou t'as dit le plus fort, non lycée, Jésus. Yon chrétien, c'est pas un fanatique. Yon chrétien, c'est pas yon monde qui choisit yon religion dans toute l'autre. Yon Christianity is not a religion. Christianity is a relationship that you have with a person, Jesus Christ, God, who came down this earth to give you a spiritual identity. Mais on connaît, ou capable de venir chrétien. Ou capable de croire dans mon Dieu. Et puis, on arrive à un point côté que le monde là, il est tellement bon pression. Ou dit comme ça, je vais withdraw, ou retirer l'identité dans mon Dieu. Actuellement, le monde là, il y a des gens qui prennent des décisions pour suivre Jésus en pile pression. Et pression, le monde là, il fait que grand pile monde, de plus en plus chaque jour, cap withdraw the Christian identity. Et comme d'habitude, il y a le bureau Christ, il dit bon, on parle encore non? On parle encore. Monde là-bas en pile pression. Et Jésus-Christ a dit ça, Bible a te prévoit ça, il a dit quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il qui ça? La foi sur la terre. Pour on pour raison pas besoin en pile parce que grand pile monde cap withdraw the Christian identity à cause de monde là cap bailler en pile pression. Dans le passage qui est devant nous là, Exode 32, verset 1 à 5, nous joignons à un peuple, le peuple Israël. Un peuple, bon Dieu, s'est retiré en esclavage. 430 ans en esclavage. Et lorsque bon Dieu voyait Moïse devant Pharaon, Moïse dit, Pharaon, God has sent me to tell you, let my people go. Et nous connaissons toute l'histoire là, les 10 plaies d'Égypte. La mort des premiers-nés. Finalement, Pharaon cédé. Peuple bon Dieu, allez. Dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 3, l'explique comment collectivement, plus que 1 million de gens qui quittaient l'Égypte, ils ont baptisé à travers la mer Rouge. À travers la mer Rouge, bon Dieu baptisé plus que 1 million de gens. Parce que la Bible a dit dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 3, Those people who left Egypt, they were baptized in Moses. Do you know what baptism is? Baptism is a proof. It is something that you do to confirm, to affirm your Christian identity. Baptême c'est pas un bain, non, yo bain, on non souvle bain, on ka bain la caillou. Même comprendre que gen moun c'est bain, yo vin bain. Yo te devine avec savon, avec serviette. Baptism is not a bath that you take. It's a confirmation of your Christian identity. Et baptême li identifie à bon Dieu, li identifie à Christ là. So what God did, la mer rouge pas ton accident. The Red Sea was no accident. It was a baptistry. Et seul quand on veut mentionner ça, c'est dans 1 Corinthiens 10 verset 1 à 3. The Red Sea was no accident. It was a baptistry. La mer rouge pas ton accident, c'est baptisé, bon Dieu t'a baptisé plus que 1 million moun qui quittait l'Égypte. Et qui pourrait suivre lui? 1 Corinthiens 10, verset 1 à 3. La Bible a dit, they were baptized in Moses. Do you know why? When they crossed the Red Sea, they received their identity. You are now the people of God. Frère Moussem, qu'on ça vous fait? Quelques jours après que vous traversez la mer Rouge, Moïse monte sous Mont Sinaï. Pendant que le peuple est en bas maintenant.
là le recevoir la parole de Dieu, la constitution divine pour qu'il puisse guider le peuple, diriger le peuple. Pendant Moïse monte sous monde là, peuple là retirer identité dans mon Dieu. Je dis écoute Moïse ça. Nous pas wali. On nous font Dieu qui a marché devant nous. Yo fabriqué un veau d'or. Un golden calf. Et puis peuple a déclaré fête. Yo prend Aaron. Yo fabriqué non seulement veau d'or là, mais ils ont aussi fabriqué un leader. They fabricated a golden calf to replace it, to replace God. And they fabricated a leader. Aaron, frère Moïse. Et Aaron dit yo, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Et on fait ça en bâché. Bon Dieu. Frère monsieur, il m'a dit, imaginez, 430 ans dans l'esclavage. La mer rouge l'ouvrit devant. Bon Dieu baptisé dans la mer rouge à travers Moïse. Pour prouver qu'on s'est peuplé. Et puis c'est ça où mettre lui. Mes amis, qu'un bagaille moun fait bon Dieu pas mérité. Non, pas mérité. Il pas mérité. Après ça, bon Dieu fait pour vous 430 ans, petit tourné dans l'esclavage. Ou t'as battu mort, chiac, pied. Pharaon fait un travail dû en bas soleil, en bas gros misère. Kounia, bon Dieu délivré. Mais qui sort pour placer devant mon Dieu? Yon veau d'or. Et ce veau d'or, that golden calf, c'est ton divinité égyptienne. Apis. Apis, c'était le dieu de la fertilité et de l'abondance. Si vous adorez Apis, if you are worshipping Apis, cette fausse divinité égyptienne, ça veut dire que c'est lui même qui abondance ou? C'est lui qui renouve, c'est lui qui fait produit. Peuple a retiré identité dans mon Dieu. Et nous avons tiré quelques principes dans sa peuple à faire pour me prêcher au matin sur la démission de l'identité chrétienne. When you resign from your Christian identity, when you withdraw your Christian identity. Regardez, les moun démissionné de l'identité chrétienne, yo pas facilement dit ça, non? C'est à cure pas le montrer. Yo prend yon bagay pour remplacer bon Dieu. Yo vle, écoutez bien oui, yo remplacer bon Dieu par un autre bagay, mais yo still vle moun rele yo chrétien. I want you to get that. They have replaced God with their own thing. But they still want people to call them Christians. Yo font Dieu. Yo fabriquent Dieu. De l'Égypte, Apis. Et puis qui ça a rondi? Tenez qui ça a rondi, oui. Demain, il y aura qui ça? Fête, n'a fait fête en l'honneur de? Vous tenez? En l'honneur de l'Éternel. Apis, Éternel. Yo voulez prendre tous les deux. Regardez. Ou pas qu'on a Apis pour dans l'Éternel. C'est soit dans l'Éternel. Ou bien on a Apis. Apis, c'est vos dons là. Gen moun ki tande tous les deux. Yo font coup de bon Dieu. Mais yo font coup de Satan tout. Apis, c'est Satan. Vos dons là, c'est Satan. Bible a dit qu'on ne soit pas qu'à gagner 2 mètres. Ou bien on remet yon ou raï l'autre là. Écoutez bien, frère, monsieur, moi. Gen bagay ki. Que nous doit tirer principe de yo. Bon Dieu pas jamais joué. Gen bagay qui sacré, bon Dieu pas joué avec yo. Fait Apis, ce veau d'or, this golden calf, représenter bon Dieu, c'est un blasphème total. This is blasphemy. Le 14 février 2000, t'es un gros mariage dans Houston, Texas. A big wedding. Télévision, quelques chaînes de télévision te bali. Ça que fait wedding, ça était vraiment intéressant pour moun gade. C'est Benny avec Brandy qui t'a marié. Benny et Brandy. Qui m'a dit parce que ça que fait, qui est Benny et qui est Brandy? T'as même compris qui est ce? Deux chiens. Benny. C'est monsieur chien. Brandy, c'est madame là.
Houston, Texas, 14 février 2000, ils font un gros mariage. Je mettais Yonad la mariée sous Brandy et mettons Tuxedo sous Benny. Y a un paquet de chiens réunis. Il y a des centaines. Il y a un jappé. Et journaliste qui était là fait commentaire, il a dit, même bête, il a essayé de faire venir moun pendant que moun a tourné bête. Frère, je suis tellement réalisé que ça Israël fait à ses alliés. Au lieu d'y adorer le Dieu vivant et vrai, la pado en bête, apis, yon vaudor. Il y a quatre bagailles israélites qui fait. Depuis quatre bagailles, ça y ou fait tout, ou met connaît que ou withdraw your Christian identity. Four things they did led them to withdrawing the identity in God. Premier bagay que yon fait, qui fait que yon tombe dans perdu, retiré identité dans bon Dieu, they rejected the word of God. They rejected the word of God. Notez bien que dans Genèse 32, avant même verset 1er, Genèse 31 verset 18, il dit nous qui ça Moïse t'a fait sous monde. Moïse t'a sous monde pour bon Dieu bal parole, les 10 commandements qui étaient écrits sur deux tables de pierre pour le communiquer par le peuple là. Avant même Moïse descend monde. Even before Moses had finished to receive the word from God, the Ten Commandments, qui sont les peuples à faire? What did they do? Yo get écrasé depuis avant yo bayoli. Parce que le premier commandement dit comme ça, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Thou shalt have no other God before me. Ben ça? Eh bien, Moïse pour quoi même descend avec le bayo. They broke the very first one. Premier erreur le peuple a fait. They rejected the word of God. Yo rejeté parole bon Dieu. Et frère, monsieur, et ouais, ça n'allait pas tous ces jours-ci, oui? Ces jours-ci, moun qui pas converti, en pile, yon pas voulu ouais, parole, bon Dieu. Même dans l'église, gen moun qui dit comme ça, prêchez-moi sous 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 ça, mais pas prêchez-moi sous ça. Gen moun qui dit comme ça, pasteur, gen doit prêcher-moi là, prêcher sous ça, prêcher sous prospérité, prêcher sous santé, prêcher sous barayo à bon, pas prêcher sous péché, pas prêcher sous adultère, pas prêcher sous jouet hasard, pas prêcher sous mondanité. Preacher, do not preach to me about adultery, do not preach to me about sin, do not preach to me about anything like that. Preach about wealth, preach about health, preach about prosperity, preach about soap and sunshine. Preach that prosperity gospel. Everything is going to be good. No matter where you are, no matter what you've done, your best day is yet to come. This is wrong. The best day will not come if you don't repent. That's God's word. If you don't repent, every day is not Friday. If you don't get close to the Lord and confess your sin, every day is not Friday. Frère, écoutez bien. Comment est-ce important pour moi de réaliser que they rejected God's word? Et, gen moun juste jouk jodi a, gen kek bagay tam le fè ak parole bon Dieu. Gen moun ki vle privatize parole bon Dieu. They want to privatize God's word. Yo fè parole bon Dieu di ça, yo vle le di. Mais 2 Pierre 1 verset 21 dit comme ça, you cannot privatize God's word. Gen moun ki dit comme ça, hey, the preacher said so and so, I can say it too. Who is he? You can privatize God's word. God's word is God's word. Gen moun ki vle moderniser la parole bon Dieu. Some people want to modernize God's word. Gen moun ki dit comme ça, this preacher, the way they used to preach it, it's a little outdated. Let's modernize God's word. May I tell you that God's word cannot be modernized.
Romains 12, verset 1, Romains 12, 1 says, be you not conformed to this world. Be transformed by the renewing of your mind. Nous connaissons que quelques monde, même dans l'église, qui a dit comme ça, this world is outdated. Parole de Dieu, pas que je me démode. L'issue même dans hier, comment? Aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un qui dit, pasteur, ok, if we can privatize God's word, if we can modernize it, let's amend it. On amende le long. Gardez, moi sûr, si tu as une conférence qui te permet à quelques églises pour amender la parole de Dieu, en plus, monde t'abîme amender. Il y a quelques chrétiens parlementaires qui t'ont campé. Non, mais dans l'église, t'as dit comme ça. Je voudrais qu'on amende pour moi, pas oublier, amender, gain pour avec quelques côtoies pour étirer, et quelques barres à mettre. Et qui t'a dit, nous avons amendé pour moi quelques dans 10 commandements. I would like an amendment regarding two of the 10 commandments. For example, thou shalt not steal. I would like an amendment regarding another one, thou shalt not commit adultery. Kounya même, pendant que je parle là, check quelque chose. Si on t'a dit amendé par le bon Dieu, qui soit amendé pour retirer pour? Regardez. Permettre comme nous que Bible a été dit ou pas qu'à amender parole bon Dieu. Il dit dans Apocalypse 22, verset 18, 19, ou pas qu'à ni mettre, ni mettre. Et même qui dit comme ça, ok, if I can privatize it, if I can modernize it, if I can amend it, map the trill, I will annihilate it. Mais on va dire trop tard. Bible a dit comme ça, parole bon Dieu a demeuré éternellement. Qui même dit comme ça, écoutez bien, si c'est comme ça, ça y est. Et nous avons que avant le pasteur prêcher, pour le dire ça l'a prêché. Pour me donner le conseil qui ça pour le prêcher. Je vais écrire. Some people come to church today. They don't want to hear God's word anymore. They want to hear something else. Quelque bagaille qui est capable de faire les oreilles yon content. They want to hear whatever they want. You know, some people say that you might as well preach Jason and the Golden Fleece. As Adam and Eve in the Garden of Eden. Some people say that you might as well preach Hercules and the 12 laborers as Moses and the 12 tribes of Israel. You have to preach dans livre Lia. Some people say you might as well preach Agamemnon and the Trojan War as to preach Joshua and the conquest of Canaan. Non, faut parler dans livre Lia. Quel monde qui dit comme ça? Preach about Darwin and his monkeys instead of preaching about Christ and his church. Permet comme do tout l'autre livre yo ka parler ou de yo l'autre côté. In the Church of Jesus Christ, the only book that prevails is this. Amen. La parole de Dieu. La Bible. Et si peuple là rejeté la parole de Dieu, they rejected God's word. Moïse pour même descend ce sous-monde. Il rejette la parole là. That is another thing. Et c'est ça qui va le faire que il retire l'identité. Il dit à Aaron, dans verset 2 et 4, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. After they had rejected God's word, they rejected God's power. They rejected the word of God. They rejected now the power of God. Ils ont rejeté la parole de Dieu, qu'on y a rejeté le pouvoir de Dieu. L'on dit, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ça veut dire que, côté bon Dieu que t'es fort, qui t'es fort traverser la mer rouge là. Sauf avec lui. Ou remplacer. Mais sous remplacer qui s'en fait là. Ou rejeter le pouvoir de Dieu. Permettre que de l'homme rejeter le pouvoir de Dieu, c'est pas bon Dieu ou rejeter, c'est propre tête ou rejeter. Parce que sans bon Dieu, nous pas qu'à faire un. On y est, ils rejetèrent le pouvoir de Dieu. Permettre comme nous, même si on a essayé de rejeter le pouvoir de Dieu, comme on sait qu'on est que l'éternel des armées règne éternellement. Bible a dit, il est le Dieu des armées. Bible a dit, à l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Esaïe 6, 8 dit,
lorsque Isaïe ouais mon Dieu sous toi ni dans les séraphins chérubins tout l'autre cap chanter saint est l'Éternel désormais toute la terre remplie qui ça de sa gloire. Ils ont rejeté la parole de Dieu. They rejected God's word. Ils ont rejeté le pouvoir de Dieu. They rejected God's power. Ils disent pas en bas pouvoir ça. M'en bas pouvoir divinité pas elle. Et qu'on troisième bagaille que ils ont fait. Non seulement ils rejetèrent la parole de Dieu, non seulement ils rejetèrent le pouvoir de Dieu, mais ils rejetèrent aussi la personne de Dieu. They rejected the very person of God, God himself. Dans verset 4, à enlever, là, regardez vos doigts là, ils diront ça. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. À où loger, mais lui, sous vos doigts là. Ils diront, He is the God that gave you the freedom that you needed, that helped you to leave Egypt. Here it is. Et là, on pointe du doigt. Ça le montre, c'était vos doigts là, oui. Ils ont rejeté la personne de Dieu. Regardez, quand pile fois, il y a quelque chose que nous faisons, c'est la personne de Dieu nous rejeter, oui. Il y a quelque chose que bon Dieu fait pour nous. L'on dit comme ça, c'est faux spam. C'est intelligent spam. C'est parce que maman, ma papa m'a fait un pile bagaille pour m'être là. Si je ne peux pas mettre comme de yon, pas tape ça. L'homme a tête ou gloire, son vaudor qu'on bâti. When you give the glory to yourself, you have fabricated your own golden calf. And in doing so, you have rejected the person of God. Seul monde qui mérite toute gloire, c'est mon Dieu. Ou pensez l'église, ça tape là, je dis, si c'est votre bon Dieu. C'est seulement bon Dieu qui met des bagailles ensemble. Les hommes, ils disent comme ça, les hommes c'est briseurs, oui. Les hommes, ils sont détruits, oui. Pour bon Dieu, pour que les bagailles qui quimbent ensemble, restent ensemble. C'est bon Dieu qui est intervenu pour mettre des bagailles ensemble. Alors pensez pendant tout le temps ça, l'église de l'homme, monsieur, pas de grand pile problème. Qui est capable de secouer la navire là. Mais c'est peut-être ça, il a crié Ebenezer, oui. Jusqu'ici qui ça? Ils rejetèrent le pouvoir de Dieu. Ils rejetèrent la personne de Dieu. Mais on met rejeter la personne de Dieu. Toujours songez ça. Jésus-Christ est le même qui ça. Hier, aujourd'hui et éternellement. On met rejeter la personne de Dieu. Ce n'est pas bon Dieu rejeter. C'est propre tête ou rejeter. Gemoun Jodia qui continue à rejeter la personne de Dieu. Ils ont même pensé que gen l'autre façon que vous êtes capable de faire. Pour arranger les choses. Some people think that they'll be okay without the Bible. They'll be okay without the church. Permettez que me dire, this society will not be okay without the church. Sometimes they despise the church. Sometimes they speak evil about the church. Sometimes they don't want the church to be around. But every time they run into some problems, they call for the church. Amen. Gobain, you met pas besoin l'église. Mais les deux tours dans New York sont tombés. Amazing grace. Regardez, quelle situation vous c'est seule l'église, oui, Kaido. Si pas de l'église, c'est tout le monde dans la société qui a voué, oui. C'est tout le monde qui t'a fou, oui. Regardez, même le président des États-Unis, even the president of this country, there are times when he has to intervene to confront some families. He cannot make a speech. He cannot come with his own speech. Do you know where he goes to find his speech? To confront some families? The Bible. Dernièrement là, l'autre des problèmes, monsieur a tué un paquet de Timoun. Le président allait pour le consoler les mouns. C'est la Bible là, oui. Il a tellement parlé la Bible que les mouns qui étaient manqués oubliés et pas président, il est son pasteur. Amen. May I tell you, après tout le monde perdu espoir, après pas rien qui a consolé le monde, la parole de Dieu a consolé le monde. Parole la capable. Amen. C'est peut-être ça, vous pas qu'à rejeter la parole de Dieu. You can't reject le pouvoir de Dieu. You can't reject la personne de Dieu. Mais quand dernier bagage peuple a fait, ça va terminer. Il rejetèrent le plan de Dieu. Qui plan mon Dieu de pour eux? Plan mon Dieu, c'était prêt à mener au Canaan. Si on t'a obéi, mon Dieu, 11 jours de marche, 11 days, less than 11 days of walk, t'as lead you to the Canaan, you know, to the promised land. Imaginez, 11 jours qu'on mène au côté,
mais parce que ou démissionné de l'identité ou. Gen moun ki di pasteur, ki sak mesaj la matin? Jodi a nou gon société ki di yo se chrétien. Tout moun born again believer. Tout moun se chrétien. Pendant se chrétien, yo remplacé bon Dieu par passion yo, ça yo remet. Par possession yo, ça yo gagne. Par profession yo, ça y a fait. Par position yo, côté à travail. Par promotion yo, moun yo konnen. Today, you may be saying that, pastor, I do not have a golden calf. But you may have one of those. If you have replaced God by your passion, if you have replaced God by your possession, if you have replaced God by your profession, if you have replaced God by your position, if you have replaced God by your promotion, you have built a golden calf. Et l'on fait ça, il y a quatre résultats. Vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez le pouvoir de Dieu, vous rejetez la personne de Dieu, et vous rejetez le plan de Dieu. Qui message anniversaire l'église rédemption voulait tout le monde à la veille matin? Vous comprenez ce qui est? Acceptez la parole de Dieu. Acceptez le pouvoir de Dieu. Acceptez la personne de Dieu. Acceptez le plan de Dieu. Ça va preuve que vous pas prêt, et vous pas jamais prêt pour retirer l'identité spirituelle ou chrétienne. Non, mon Dieu. Maintenant, bon choix doit faire. Bon choix doit faire maintenant. Yon maman qui est un petit garçon qui a gagné environ 19 ans, il est à peine sorti de high school. Et puis, il a dit, mais yon t'a aimé qu'on est qui ça, monsieur, pour apprendre parce que les graduels pour jamais dire côté le bralé. Maman à papa et. Li mette te gon ti table ki de bon côté porte chambre monsieur. Yo mette sous table là yon bible, yon billet $10 avec yon bouteille whisky. Yon bible, yon billet $10 avec yon bouteille whisky. Yo cachon côté. Maman n'a pas cachon côté. Puis mais ça yo dit. Yo dit nous pas quitter monsieur ouais non, mais n'a mette bagay ça sous table qui devant porte chambre ni. Là la rentré. Si monsieur prend Bible là, on met connait que c'est son pasteur la pied. S'il choisit $10, on met connait son homme d'affaires la pied. Et s'il choisit whisky là, on met connait son tafiateur la pied. Et puis on dit comme ça, n'a bal test ça. S'il choisit Bible là, il est son pasteur la pied, il va la prendre, il va aller l'école pour le pasteur. Si c'est $10 seulement il prend son homme d'affaires la pied. Mais si c'est whisky là, il prend son tafiateur la pied. Il y a le caché. Sinon, si n'est pas connaissé à garder. Le vini, le monsieur vini, l'ouvre porte, pour lui parler personne, il garde sous table avant d'entrer dans la chambre. Il enfant prend l'argent. Il garde l'argent pour lui essayer bon billet, le il fouille dans la poche. Il prend la Bible, parce que deux, trois pages. Et puis, il aime la Bible. Et puis, il voit whisky là. Li pon goye. Pour tester qui qualité whisky a. Les maman à papa regarder, maman ouais monsieur entré et avec $10 et avec whisky a et avec Bible là. Puis papa met main en tête. Papa dit mes amis nous prend comment li ça gagne. Il dit petite la pap ni pasteur ni homme d'affaires ni tafiateur son politicien la bien. Tous les trois. Vous écoutez bien. Qui m'a dit pasteur, pas terminé, m'a terminé parce que faut aller. Qui m'a dit pasteur, qui ça bagaille ça avait dit. Écoutez bien. As matin bon Dieu mettez nous tous qui viennent l'église devant table. Bible là c'est parole bon Dieu. L'argent c'est occupation, c'est bagaille matériel qu'on va régler yo, whisky à ses plaisirs. Une nouvelle pour ou pas prendre tous les trois. Sous table là faut prendre une. C'est l'argent on prend. Ça te montre qui est souillé. Si c'est whisky on prend, ça te montre qui est souillé. Que bon Dieu aide à cœur pour sous table là. Est-ce qu'on prend Bible là qui symbolise parole li? L'argent qui symbolise bien matériel avec whisky qui symbolise plaisir.
sous prend tous les trois, ou pas gain identité qui ça chrétienne. Peuple a rejeté la parole de Dieu. Il a rejeté le pouvoir de Dieu. Il a rejeté la personne de Dieu. Il a rejeté le plan de Dieu. Et il a perdu qui ça? Identité chrétienne. Yo. Ça fait que il fait 40 ans, il a monté descendre dans le désert là. Veux comme pour nous matin. C'est bon dit. Avant de sauter là, pendant la saute là, c'est bon dit. M'a kembe ferme. Nous accepter parole là. Allez, on s'en chanter. Et l'on chante, c'est pour dire, n'a fidèle à parole, mon Dieu. N'a fidèle, n'a prêté fidèle en bas puissance, mon Dieu. N'a prêté fidèle en bas personne de Dieu. N'a prêté fidèle en bas plan, mon Dieu. We're going to sing in a few minutes. But when we stand and we sing, you're going to pledge allegiance. Not to the flag of this country, not to the flag of Haiti. I'm not talking about this type of allegiance. I'm talking about allegiance to this flag. Allegiance to God's word. Allegiance to God's power. Allegiance to God's person, to himself. And allegiance to God's plan. L'opre pot sa, le cœur bat. Faut que vous sa fidèle. Ou doit fidèle. Ou doit fidèle. Poignet pas qu'il t'a perdu, démissionné de l'identité chrétienne. You need to be faithful, faithful to God. Gonne kal nan marché kal van nos chien. La van nos chien. Moun yo dire comme ça, combien comme chien le bail? Li bail pria $200. Li bail pria. Moun yo dire comme ça, est-ce que son bon chien? Ils sont très bon chien. Li garde moun bien. Son bon compagnon. Li tellement son bon chien, tout moun dit son chien qui est fidèle. Et c'est premier moun k'ap dit que chien fidèle. Moun ki vin marchand de chien dit qui prouve que chien fidèle. Vendeur a dit comme ça, li tellement fidèle, moi vend ni 5 fois le tourner la caille. Frère, ça m'écoute. Ou konn ki fidélité bon Dieu attend dans mon matin. Ennemi a te mettre vend nous 5 fois tourner la caille. Que bon Dieu bénisse au matin.